Là, on est sur un mec qui a voulu faire une arnaque de fou. Je vais vous faire lire les messages et tout. Ce genre de comportement, c'est inadmissible. Alors, en fait, si tu veux, j'ai boosté un serveur de pub pour voir comment il faisait gagner les récompenses. Alors, en fait, le gars, il fait gagner des récompenses, soi-disant, via une technique, qui est une technique, je pense, connue dans l'arnaque, via un QR code. Donc, en fait, si vous voulez... le gars il vous dit de faire une technique, de prendre votre téléphone et de scanner votre avec vous êtes connecté sur votre compte, hein, le même compte, sur le téléphone et sur le PC, et vous scannez bien sûr le QR code, en fait, si vous voulez. Il dit que ça expire chaque 10 secondes, en fait c'est pas vrai du tout, hein. Enfin, peut-être que c'est vrai en soi, mais en fait quand vous scannez le QR code, ça va vous connecter, en fait ça va le connecter sur votre compte, et il aura accès à votre Discord, en fait. Donc bah, le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de pas de scanner ce code, hein, qu'il vous donne. Après, lui, son bail qu'il souhaite faire, c'est bien sûr accéder à vos coordonnées bancaires. Forcément. Alors, si vous voulez, moi, j'ai changé directement le mot de passe une fois que j'ai scanné le code. J'ai capté que le mec, bah, ça faisait rien, en fait, hein, très clairement. Il va vous dire oui, attendez, etc. Au final, il est sur votre compte directement, instantanément. En fait, au moment où vous scannez le code, il est directement sur votre compte, et donc il a accès à tout. Le meilleur moyen de rétablir ça, c'est changer votre mot de passe, ce qui fait que bah il sera directement tège, hein, de votre Discord. Ce qu'il a voulu faire, c'est de mettre une vraie carte bancaire. Bah, en fait, si vous voulez, je pense il est allé dans mes paramètres d'utilisateur et de mes factures. Il a dû voir que j'avais pas de carte bancaire de mise dessus, donc il pouvait pas voir mes données bancaires. Il pouvait voir que mon PayPal. Ce qu'il voulait que je mette, c'était une vraie carte bancaire, donc numéro, la date d'expiration et tout, pour accéder vraiment, bah, à toutes mes coordonnées bancaires. Donc ça veut dire que s'il accède à votre compte, en fait, s'il est connecté à votre compte, bah, en fait, il a vos coordonnées bancaires, et il peut vraiment vous débiter votre carte en l'espace de très peu de temps. Bon, je vais pas vous faire un petit tuto là-dessus, mais voilà, en fait, c'est vraiment une arnaque assez insane. C'est facile à faire, je pense. Le mec, il veut faire gagner des choses, hein, ça pâte. Et on est confronté à ça, et il faudrait signaler la personne en question, le Discord. On a son Discord et tout. Son serveur, c'est l'univers de Reward. Donc j'espère, je pense que je vais poster la vidéo très rapidement, la signaler, etc. Amis en commun, bon, on s'en fiche. Enfin, amis en commun, c'est pas très bon non plus, ça. Ce qu'on va faire, donc du coup il a mis mon pseudo, etc. En fait, il m'a renvoyé encore un lien Discord, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai changé mon mot de passe, du coup ça a direct tège. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est que je mette mes coordonnées bancaires pour qu'après il se reconnecte sur mon compte et qu'il ait les accès à mes coordonnées bancaires pour me retirer de l'argent, etc. Hein. Voilà. Même s'il vous donne un code Nitro ou quoi que ce soit, vous gagnez quoi? Peut-être 10 euros, même pas, et vous perdez derrière ultra, enfin, c'est très très sévère. Du coup, je lui dis, bah, que c'était pas du tout réel. J'en ai parlé avec quelqu'un, et il a eu exactement la même chose que moi. Hein. Voilà. Je lui ai demandé, etc. Je lui ai averti, hein, par rapport aux choses, parce qu'en fait, si vous voulez, on a boosté son Discord, hein, pour tester. Moi, personnellement, c'était pour tester, hein, pour voir si c'était vraiment fake ou réel. Et en fait, c'est même pas fake, hein, c'est très clairement de l'arnaque, hein, de l'arnaque. Voler votre argent, c'est tout ce qu'il souhaite faire, hein. Du coup, je lui dis, voilà, au gars en question, je lui dis, ne mets pas ta carte bancaire ou quoi, et ne scanne pas le QR code, etc. Voilà. Du coup, lui, il a eu la même chose. Il a lui aussi boosté le Discord, hein, en question. Et du coup, je l'ai prévenu. Et du coup, il a quitté le Discord, bien sûr. Voilà. Du coup, il se fait spam, etc. Ça dégoûte, bah, bien sûr, ça dégoûte. Et si vous voulez voir, dans les boosts Discord, voilà. Il a boosté le Discord comme moi j'ai boost. Voilà. Et en fait, tous les gens qui boostent ou qui gagne des invitations, hein, 10 invitations ou quoi. En fait, si vous voulez, c'est toujours la même technique. Et en fait, bah, les gens, il y a des gens qui vont se faire avoir. Et il y a des gens, ils vont perdre de l'argent là-dessus. Et lui, totalement bénéfique. En fait, si vous voulez, vous dites, mais comment il fait, les gars, pour gagner? Enfin, là, il perd très clairement de l'argent. Hein. Si on regarde juste là, il perd de l'argent, c'est pas rentable. Hein. En fait, si vous voulez, bah, arnaquer, il suffit qu'il chope une carte bancaire et il suffit qu'il y ait de l'argent dessus, et puis il retire tout. Le problème, c'est que c'est ultra dangereux, donc je préfère, je pense, le signaler. C'est la meilleure chose à faire, la prévention, bien sûr. J'espère que ton Discord sera supprimé, j'espère qu'il sera banni, j'espère que ça
ça peut remonter loin, je pense. Hein. J'espère qu'il va être banni. Après, s'il est banni, bon, il a juste à recréer un compte secondaire et puis refaire les mêmes choses. Mais ouais, c'est compliqué, hein, c'est.